Bonsoir à tous. Nous revoilà sur les plateaux de TV de Vie avec deux sœurs qui ont pris part à la réunion de réveil de ce matin. Et elles aimeraient bien nous donner leur aperçu. Moi, j'ai été très encouragée par cette réunion cet après-midi. Vraiment, je me rends compte que le Seigneur est vraiment bon et miséricordieux. Je suis arrivée ici cet après-midi avec des doutes sur ma paix, ma relation avec Dieu, mon intimité avec lui, et j'en repars vraiment encouragée. Le Seigneur, c'est vraiment un Dieu de miséricorde. On est jeune, on tombe, des fois on a des doutes, on a du mal à se relever. Mais il ne faut pas lâcher. Si j'ai un conseil à donner à la jeunesse, c'est vraiment ça. Accrochez-vous au Seigneur. Le Seigneur, ce n'est pas un homme, c'est le Dieu Tout-Puissant. Jésus, c'est notre Dieu Tout-Puissant. Et c'est le seul qui ne nous décevra jamais, vraiment. Bonsoir, moi c'est la sœur Dorcas. J'étais bénie par le message. Et franchement, le Seigneur, il est vraiment fort. Malgré tout ce qu'on lui fait, mais jamais il nous a laissés. Tout ce que j'ai à dire, que, bah, comme d'hab, il y a toujours la présence de Dieu. Voilà, le Seigneur était là et tout. On était saisis par sa présence. Ça fait 2 ans que je suis convertie. Je n'ai jamais lâché. J'ai toujours continué la marche. Même s'il y a le combat, il y a tout. Mais le Seigneur est toujours avec moi. Il me donne la force. Genre, il me fortifie. Et je ne vais pas laisser tomber, parce que si je laisse tomber, c'est la mort qui va venir avec moi. Carrément, c'est la mort qui va venir me chercher. Voilà, donc du coup, je continue toujours, je demande au Seigneur de m'aider et de me donner la force pour combattre, quoi, par sa grâce. Merci et que Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait dans nos cœurs et dans nos vies. À bientôt. Au revoir.